Amélie, oui. Tu seras la gardienne du bouquet. Parce que comme je veux pas le poser et qu'il le bouffe, on va faire attention à ça. On va poser les affaires, comme ça on commence gentiment. Si on la met basse ou haute. Oh non, basse. Sinon ça fait un peu vieille chose. Ouais. On s'est dit les chevaux c'est trop fait, les chèvres aussi. Et les alpagas, c'est quand même super mignon et super fluffy. Kiki. Et c'est trop kiki. Et c'est une idée débile qui est née. Et j'ai trouvé des nanas qui ont décidé de dire oui à se lever à 5h du matin. Ça a marché quoi. Alors, c'est leur aspect nounours qui me séduit sur tous les animaux que je prends. Je fais de l'élevage depuis 27 ans. J'ai fait des importations d'Australie et de Nouvelle-Zélande pour avoir des peaux spécimens. Mais on a un produit 100% français et de bonne qualité. Là, il est en méditation, là. C'est sympa. Et celle-là, peut-être la raccourcir. Regarde à côté de l'autre comment elle fait. Mais la pointe est belle, faut juste la redresser. Bon, Vanny, t'aimes bien être à poil dans les champs? J'adore, c'est ma passion. Surtout à poil comme ça, là, avec des moumoutes et tout. Oh.